Bonjour, on est parti pour un nouvel épisode sur Lettice et on va s'attaquer à la mission 20 où il va falloir construire l'exposition universelle. Allez, on est parti. Imaginez un peu des citoyens venant de tout Lettice pour admirer les dernières avancées technologiques de la révolution industrielle. Cela sera grandiose. Cela demandera un peu de travail, mais il ne semble pas y avoir de tâches insurmontables pour vous. Les plans que l'impératrice Victoria présente à Catherine sont impressionnants. Ce chantier va nécessiter de bâtir une cité solide, capable de produire les ressources et les automates nécessaires à la construction de cette gigantesque exposition universelle. Construire l'exposition universelle, alors si vous commencez à manquer d'automates, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire fonctionner l'atelier des artisans en même temps que vous construisez chaque étape d'un monument. Ok, allez, on est parti. Alors vu qu'ils nous ont dit que ça allait être gigantesque, bon ça va, on a quand même une zone assez large. Enfin assez large, oui et non. On va vérifier quand même la taille du monument. Ah bah ça va, je m'attendais à pire. Ok, on voit la taille du monument. Alors, ils viennent de là, c'était logique. Bon, on va construire les maisons ici. Ah, ça va, on peut tout raser ici. Voyons voir. Ok, 270. Ah mais on peut virer là aussi. Ah oui, on est large. Hop. Alors on va construire ça où? Décoration. La route. Il faut de la place pour la déco. Ok. Tac tac. Je vérifie exactement pour perdre le moins de place possible. Voilà, comme ça on va pouvoir. Hop. Je sais pas si c'est utile de mettre la route. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Non, on s'en fout ça. Ah, mais la route, justement, je vais pas la construire comme ça. On va mettre ça. Déjà. Et la route, on va la faire passer ici. Voilà. Ici, on va construire... Alors, je ne sais pas ce qu'ils peuvent manger. D'accord, on pourra faire du pain et... des vaches. Et qu'est-ce qu'on peut vendre? Ils achètent de la viande, du pain surtout. Viande, pain. Ok, voilà, ici on va mettre une route qui part. On va mettre le plot. Alors,
des champs. Alors, on va mettre une petite pause. On va mettre une réparation ici. C'est bon. Un moulin. Soixante-et-onze ouvriers manquants. Pourquoi ça ne bosse pas? Ah, il manque des ouvriers, d'accord. Pourquoi ils m'ont pas mis directement? Bon. On va régler le problème tout de suite. Hop. On va ramener plus de gens. Hop. Ah voilà, enfin. Ça va commencer. Bah voilà, là c'est bon. On va pouvoir lancer ça. Ça. Voilà. Passer à Trian, on va mettre quelques déco. Ça donne quoi? 16% de chômage? J'aurais peut-être dû faire l'inverse au niveau des placements parce que là, pour mettre les zones de pain. C'est pas terrible. J'ai bien accepté le... Oui. Donc... Là c'est parti pour le pain. On va mettre quelques petites décos. Ça ne coûte rien. On est à combien là? 16 ouvriers manquants. Ah. Voilà, on va mettre... Hop.
les mines cessent de fonctionner, d'accord. Donc là, ça va s'améliorer. On va relancer ça. Les mines fonctionnent à nouveau. Ah! On va attendre qu'il se développe correctement celui-là. 4% de chômage alors que tout le monde bosse, ça c'est très bien. Voilà, on voit qu'il récupère constamment du pain. Alors normalement c'est ça, hein. C'est deux champs pour un moulin et un moulin pour deux boulangeries. Voilà, il continue à venir chercher. On va améliorer. Alors, faut pas oublier que quand on améliore, hop, il faut mettre ça. Voilà. Je suis à combien de pourcents de chômage? 16. Oh oui, d'accord. Donc là, le pain... Ah si, tout le pain est pris encore. Ça produit pas mal. Alors sur quoi on peut se lancer? Ah non, j'ai été bête de construire ça, parce que de toute façon il y aura... Faut que je mette ça. On va mettre ça. Par contre, on va produire un peu plus de blé. Quoi ? Hein ? Je me suis trompé ? Ah oui, celui-là, je crois qu'il est pas bon. Ah non, c'est l'autre. Ah, j'aurais dû mettre la route avant. C'est pas grave. Voilà, avec un moulin. Alors, est-ce que le pain est pris par... Oui. Ça, c'est bon. Donc, on va se lancer sur autre chose maintenant. Le cuivre peut-être directement. Hop. À mon avis, on peut mettre un pont ici. Voilà. Ouais, y a des gros arbres ici, d'accord. Ah, ici aussi il y en a. On va me décaler. Mais il faut que je mette le gaz aussi. Ici c'est l'or, ouais. Donc on a l'or, le fer. Le gaz est là. Je vais peut-être mettre l'usine ici. Hop, on va peut-être mettre ça là.
Ouais, et on mettra les automates ici. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va mettre ça là. Ouais, normalement, c'est bon. Est-ce que je peux relier? Non, on va relier le gaz d'ici. Hop. On va juste pour l'instant en mettre un. Tac. Voilà. Les autres sont là. Et là. Bon, je pense pas que j'ai besoin de tous. Déjà, rien que les trois qui sont là, à mon avis, ça suffira. On verra ça. Alors. Ah, il manque 7 ouvriers. Voilà, ça c'est largement faisable de pallier à ça. On va mettre ça. On va enlever la petite maison ici. Hop. Voilà. De chômage. Là, ils veulent de l'alcool. Ah, il y a qu'une zone. J'avais même pas fait gaffe au fait. Il y a qu'une zone exploitable au niveau des champs. Bon, ça, c'est pas spécialement gênant. Parce que l'alcool. Ah, bon, le pain, on voit qu'on en a pas mal. La production va être vraiment bien. Ah, par contre, j'ai pas assez de blé? Comment c'est possible? Ah, mais peut-être parce que j'avais posé les blés en retard, on verra. On verra ce que ça donne. Donc là, on va partir sur du chanvre. Tac. Alors deux suffisent largement. Normalement c'est deux pour une abbaye. Alors on va mettre le stockage ici. Manque de travailleurs. Ah oui, d'accord. Bon, on va stopper ça. Euh, 5% de chômage. On va remettre ça en route. Qu'ils puissent se développer. On voit qu'on a plein de pain, on va pouvoir en vendre. Ce qui ferait pas de mal pour gagner de l'argent au cas où. Donc voilà, hop, c'est parti. Je crois que je les ai mis en retard. On verra ce que ça donne. C'est bon. Ils vont commencer à se développer. Je sais pas s'il manque du...
que j'ai beaucoup. Ouais, 27. Faut voir quand ils vont commencer à retravailler. On va pouvoir mettre deux champs de plus. Et une abbaye. On voit ce que ça donne. Si vraiment c'est... c'est un peu tendu, on peut baisser le pain. Parce que le pain... il y en a plein. Alors... 11 ouvriers manquants, voilà, on va baisser... Voilà. On va arrêter le pain. Mais on peut développer. C'est ce qu'on va faire. On va commencer à décorer. Et là, c'est les ustensiles maintenant. Normalement ça devrait le faire. On va voir hein, s'il manque... Ça a l'air d'aller pour le moment. Bah pour l'instant tout est rempli. Faut voir jusqu'à temps qu'ils arrêtent de travailler. Qui récolte les champs. Ah! Il en manque peut-être un peu là, ça se remplit plus. Oh, c'est juste en fait. Je pense qu'on va remettre un petit champ. Alors, on va relancer ça. Là c'est bon. Donc ils se sont développés, hein, oui. On est à combien là? 8% de chômage, d'accord. Si je lance ça, ça fait quoi? 3%. On va développer ce quartier. Ah, ça manque... de déco. Je pense que c'est bon là. Ah là aussi ça manque. Tac. Voilà. On est à combien là? Oula, 29. Ah oui mais ils ont arrêté de travailler, c'est normal. On va partir sur le cuivre. Alors... il n'y a pas beaucoup de... Il y en a 4. Ouais. Il y en a un là, un là, un là. Envie.
Voilà, on va mettre le plot. Donc, on va mettre un stock. Ici, refuser. Accepter, accepter, accepter. 2000. Voilà. Je vérifie juste quelque chose. Manque de travailleurs. Bon, déjà, ça commence mal. On va fermer une zone à pain. Le bâtiment manque d'ouvriers. Alors, je vais peut-être lancer une autre zone. Je vais pouvoir mettre à côté là. Tac tac. S'il faut la déco, la route. Ah, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On va mettre les plots. Ensuite, on met tous les utilitaires. Voilà. On enlève ça pour mettre ça. On va mettre de la décoration. On va enlever ça pour mettre le théâtre. C'est parti. Et tant que ça se remplisse, on va mettre de la déco un peu partout. Il n'y a plus de problème de chômage. Ah non. Alors, est-ce que... Bon, il travaille pas dans les champs. Hein. 31% de chômage. On va pouvoir mettre une autre usine d'ustensiles. À 14 alors que tout le monde travaille. Ah non, tout le monde ne travaille pas. Voilà, 11. Les ustensiles se font, c'est impeccable. À croire que c'est un extracteur pour une... Ça a l'air d'être ça. Un pour un. Quoi voir même... ça se remplit plus vite que ça se baisse. Enfin bon, bref. J'en étais où, moi? Hop. On va continuer à décorer.
Le chômage est élevé. Ah oui, parce que ça va commencer à se... à très vite se développer. Hop. 31%. Il travaille ou pas? Non, il travaille pas. J'ai plus de pain. Alors, 18% de chômage. Sur quoi on peut partir, là? On a fait les ustensiles. Là, ça va être l'herboriste. Et c'est pas assez attrayant. Hop. Déjà. Voilà. Ça va, 31.